samedi soir, tout à fait, oui, avec Midi Libre et Radio RG30, faut pas l'oublier. Le fameux concours de chant. On a eu l'idée de le mettre en place pour animer les apéritifs avant le début des orchestres. Donc il y aura 6 à 8 chanteurs qui vont se produire devant vous, avec un jury, et voilà, avec une remise des prix, et juste avant la soirée de l'orchestre. On va rester également toujours dans les nouveautés. Pourquoi, pour la Pégoulade, faire un système de Madison ? On a voulu que ça se termine un peu avec un grain de folie, et que les associations soient toutes ensemble et marquer la fête. En sirop, à l'entrée de Montfrain, au parcours de santé, 2 soirs et 1 sur la place. Après, arrivée normale et une arrivée de loin. Et je tiens à souligner que le déjeuner de la fête, il n'y aura pas de grillade. Vu la météo, vu les incendies, nous ne ferons que des charcuteries. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre plus d'anciéro par rapport à l'année dernière ? C'était une demande de la jeunesse. On avait commencé l'année dernière par une anciéro sur la place. Et on a voulu la délocaliser pour que ce soit plus simple d'organisation. Donc on en maintient une sur la place. Et on en fait 2 le soir là-bas, où les gens auront la place de se mettre autour des barrières avec les ballots de paille pour les jeunes. En tout cas, bravo à tous et merci d'être venus parce qu'il y en a certains qui viennent de louer. Il n'y a pas de démontré loin. Bravo. Est-ce que je peux voir toutes les mains en train de chanter ? Et là, je peux vous entendre chanter encore plus fort. La, la, la.